pour tous les supporters qui sont arrivés aujourd'hui à voir le match. Mais on va continuer à travailler et être beaucoup plus attentif parce qu'il y a des moments qu'il y a un grand manque de concentration. Hernand, vous avez essayé possiblement toutes les combinaisons offensives, comme vous l'avez dit, là, lundi, jouer pratiquement tout le banc, jouer, que ce soit aujourd'hui ou dans les dernières semaines. Qu'est-ce que ça va prendre pour finalement réussir à marquer des buts à 11 contre 11? À 11 contre 11? Oui, exact. Parce qu'on a marqué 11 contre 10 contre Philadelphie. Oui, mais vous avez marqué un but contre Philadelphie à 11 contre 11. Oui, non, tous les matchs sont 11 contre 11. Mais je sais pas, on va continuer de trouver des autres combinations maintenant avec Duke, avec la Citer. Quand Rommel peut retourner, on sait que Rommel c'est très important pour cette équipe, il était le meilleur buteur l'année passée. Et quand il n'est pas là, l'équipe, ils sont ça beaucoup. Non, on a trouvé ça parce qu'avec des grands joueurs qui d'ici il y a sur le terrain, on a trouvé des joueurs entre les lignes, avec joueurs qui peuvent mettre la combinaison. Il y a des fois que Duke il était plus haut que Amdi il était plus bas, et j'ai donné de liberté à joueurs créatifs. Mais ok, Duke il est arrivé vendredi, il a fait un entraînement, et aujourd'hui il a commencé, parce qu'on veut soin de lui. Donc je pense qu'aussi avec les semaines, les entraînements, tous les collectifs vont aussi améliorer.